Bon, fin de la parenthèse sur le fond de book. Je reviens dans Illustrator. Voilà, alors, on va enregistrer le document. Et on va préparer le travail pour faire un logo rapide, un logo par système d'encoche. C'est-à-dire que un objet, quand il va se superposer à un autre, ce sera un objet noir qui se superpose à un autre noir, mais il y aura un bord blanc. Et on va même le faire transparent. On va faire des tests. Vous allez voir ça. Après, je vous expliquerai éventuellement comment mettre sur une série d'images le logo en bas à droite des images, quelle que soit leur dimension, grâce à un script Photoshop. Ça me semble assez intéressant pour vous, ça.